Faire sauter les légumes, rien de plus simple. Pourtant, avec quelques petites astuces supplémentaires, on a moyen de les rendre encore meilleurs. Je commence par préchauffer ma poêle. Pour que mes légumes soient bien saisis, il faut absolument que celle-ci soit très chaude. Je vérifie la chaleur en mettant ma main à 5 cm environ. Dès que j'ai une sensation de chaleur, c'est OK. Je verse alors seulement l'huile d'olive ou une autre matière grasse. J'ajoute mes légumes dans l'ordre de cuisson. Les carottes sont plus longues à cuire que les pois gourmands. Je commence par mes carottes. Je répartis mes légumes sur toute la surface de la poêle de manière à les saisir vivement. Au bout d'une minute environ, je peux commencer à remuer. Et donc dans ce cas-là, je prends la poêle par le manche, je les mets bien sur le bord de l'arrondi et je viens les faire sauter. Je laisse continuer de colorer pendant 1 à 2 minutes. Dès que les carottes prennent une légère coloration, je peux ajouter mes légumes, mes pois gourmands par exemple. Et je poursuis la cuisson quelques minutes, toujours en remuant régulièrement. Lorsque mes légumes sont cuits, pour les légumes les plus durs, vous pouvez vérifier la cuisson avec une pointe de couteau. Je les débarrasse. Vous pouvez bien sûr les assaisonner de sel, de poivre, de différentes épices, ou alors de persil haché, d'estragon haché ou d'échalotes finement ciselées. Vous pouvez cuisiner vos légumes séparément ou au gré des saisons réaliser des poêlés très colorés.